comprends pas bien, chaton. Là, on va voir comme blanc, en plein. En pleine procession, en plein baptême des pointus à Nice. Mais on ne sait pas si ça filme. Ça a l'air rouge, ça filme. Donc voici donc, toujours en ce mercredi 15 d'Assomption de Marie. Il y a le curé qui doit baptiser les pointus. On va aller voir si ça marche. Un petit peu à la bourre, c'est la même église que... Mais on voit pas l'heure. On a encore les sillots, bon, ils ont tout enlevé presque. Bon, nous sommes bien au port de Nice, ce 15 août. Bon, on va voir si il y a le curé qui baptise les pointus. Le curé, c'est Jean-Marc. Schweppes. Comme ça, c'est Schweppes. Il m'a l'air d'un bon curé. Je mets au port de Nice. Là, on va pas encore, on va peut-être faire la bourre, mais s'ils baptisent tous les pointus, la procession, elle est après. Alors, une lente procession, on commence à... Car nous sentions ta présence. Oh, c'est Goliath. J'ai rien à attiser. Allez, j'ai grand soif. Ça tourne. On voit jamais si ça tourne. Peut-être ça tourne. On ne voit pas là. Moi, j'y vois rien. Un beignet, il me faut des lunettes. Bon, les pointus, ils commencent à être là. C'est interdit. Même Willy, il faut sauver Willy, il avait un pointu. Est-ce que c'est joli, regarde comme c'est beau. Ah, c'est magnifique, on dirait des trucs d'art. Je sais pas, il doit y avoir le curé, il doit bénir les pointus avant la procession de la Sainte Marie. Ah oui, c'est une tradition. Ah, oui, d'accord, c'est ça. Ok. Ben moi, je suis venu pour ça. Il y a deux, trois, ils ont mis des fleurs. C'est une fête locale du coin. Ouais. Moi, j'ai vu une fois le patron du Saint-Rita. Saint-Rita, c'est un truc. Oui, d'accord. Ah oui, c'est la fête de l'Assomption pour la Vierge Marie. Regarde, c'est pour ça qu'il y avait le prêtre. C'est la bénédiction des pointures. Après, il y a la procession. D'accord, c'est ça. Mais c'était marqué comme ça, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Si, il y a les pointures, ça c'est sûr. C'est joli comme tout. Non, c'est des monocylindres diesel. Bon, il n'y a pas le curé, il n'y a pas grand monde. Peut-être qu'il est rentré là-bas, peut-être. Ils sont bien refaits. Moi, j'ai eu le Saint-Rita, c'était un pépé. Il était vraiment Saint-Rita, il était gentil. Alors, lui, c'est un cormoran. Pourquoi? Parce que quand je l'ai acheté, il s'appelait le cormoran.
mais je pouvais le débaptiser parce que sans faire de cinéma, je pouvais le débaptiser parce qu'il venait d'une autre institution maritime de Toulon. Alors quand on parle d'institution maritime, on peut débaptiser le bateau sans, parce que sinon il y a un rituel qui est, bon, pour celui qui est, si vous êtes un peu superstitieux, on ne doit pas débaptiser. D'accord. Donc, si vous changez d'institution maritime, bon, donc moi, étant donné qu'il venait de Toulon, il a été changé d'institution, donc vous pouvez le débaptiser. Mais pour pas qu'il soit... J'ai quand même fait parce qu'il s'appelle le Cormoran, donc je vais laisser d'un côté le Cormoran, et de l'autre côté... Et les deux clés, les clés Saint-Pierre. Saint-Pierre. Et oui. Voilà. Il est où le curé? Il doit pas baptiser les pointus? Il est passé, ça y est. C'est déjà fini? Oui, il est de l'autre côté maintenant. On va peut-être aller voir de l'autre côté, Jeannet. Bon, maintenant il va y avoir la messe là-bas. Après, il y a la procession, c'est marqué. Oui, la procession, ils sont descendus, après il y a la messe et après il y a la procession pour remonter l'église, la Sainte-Vierge à l'église. Et c'est après la messe. Bon, mais ils sont où? Eh bien là, de toute façon, ils vont laisser la messe va être là-bas, donc ils vont vous sortir la Vierge là-bas, hein, de l'autre côté là-bas. Et chef, qu'est-ce que c'est les fleurs bleues? Ben blanc et bleu, c'est la couleur de la Vierge. Oui, oui, non, mais le bleu, c'est comme fleur, qu'est-ce que c'est? Genre de marguerite. Non, c'est en fin de compte, je pense que c'est les blanches qui sont trempées dans du bleu. Hein. Ah, non, vous voyez? Ah, ouais. Mais des fleurs bleues, c'est rare. Non, mais là, c'est en fin de compte, en tant que fleur bleue, il n'y en a pas tellement. Ah, non, c'est ça le problème, oui, bien sûr. Non, il n'y a que le bleuet, Ils ont trempé du blanc dans. Mais c'est pas des statues. Non, ce sont pas des statues. C'est très joli. Hein. Et il a béni tous les bateaux? Comment? Tu le connais, le grand-père qui avait le Saint-Rita? Ah non, le Saint-Rita. Ah, mais moi, je connais le Saint-Rita là, mais c'est une dame là. Ah non, avant c'était un grand-père. Il me racontait, il me dit, tu vois, là... Le Saint-Rita, au départ, c'est un bateau de pêcheur. Mmh. C'est un pointu qu'il y avait là. Oui, un pointu. Mais le grand-père, il doit être mort. Mais je l'ai filmé il y a quelques années. Il pêche plus avec les pointus. Si, il pêche quand même. Il y en a 5 ou 6. Oui, il y a 5 ou 6 pointus qui pêchent. Qu'est-ce qu'il pêche? Il faut décider, hein. Ah oui. Bon, et bonne soirée. Voilà. De même, le Saint. Non, le Saint-Rita, moi, je connais depuis qu'il a été racheté. Mais au départ, c'était un bateau de pêcheur, le Saint-Rita. Moi, une fois, j'avais parlé au grand-père. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir. Une fois, j'avais parlé au grand-père, et il m'avait dit, tu sais, il m'a expliqué. En face, là-bas, c'est les bateaux des riches. Ici, c'est les bateaux des pauvres. Il me dit, là-bas, il n'y a pas de location, il n'y a pas de nom. Non, il parle. Le Saint-Rita, de toute façon, quand il est arrivé ici, je pense que c'était carrément, c'était un bateau, au départ c'était un bateau de pêcheur, hein, mais vraiment de pêcheur professionnel. Hein. Le grand-père, il avait les vieilles lignes, les vieux machins, tout un tas de foutoirs dans le pointu. C'était déjà plus un bateau professionnel. Mais je l'avais filmé, il y a au moins 10 ans. En plus. Il y a au moins 10 ans. Ah, beaucoup plus. Quand je travaillais encore au café de Turin, il y avait l'histoire de l'oursin blanc. Attendez, non. Disparu. Moi, le Saint-Rita, il est là-bas, hein, le Saint-Rita. Moi, la dame qui a le Saint-Rita, ça fait au moins 15 à 20 ans. Et je ne le vois pas. Il est là-bas, il était là-bas, le Saint-Rita. Ah oui, il n'y est plus. Elle est sortie en mer, hein. Elle est sortie, hein. Mais il est là, le Saint-Rita. Hein. Oui, ça fait plus de... Bon, elle, ça fait au moins 20 ans qu'elle a. Hein. Au moins 20 ans qu'elle a. Non. Ah, si. Moi, c'était un pépé qui était dessus. Ah non. Je te l'ai dit. Bon, je coupe, ça va faire trop long. Bon, il y a du monde là-bas, ils attendent pour embarquer. Bon, on va aller à la messe là-bas. Hein. Elle est où la procession?
La procession, elle sera de nouveau après la messe en remontant à l'église. Tu vas démarrer? Non, la vieille. À la messe. Sinon, je vais dire, vas-y, emmène-moi, je filme du bateau. Bon, ça va. On va aller voir. Comme la